Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Désolée pour le retard, hein, beaucoup de travail, je vous en remercie d'ailleurs de me donner autant de travail, c'est génial, j'adore vous avoir en ligne, j'adore faire mes accompagnements avec vous, j'adore voir votre évolution, c'est que du bonheur. Cet audio c'est pour vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux pour le mois de juillet 2024. Ne prenez que ce qui résonne en vous durant cet audio et si vous voulez avoir quelque chose de personnalisé, moi ce que je vous invite à faire, c'est d'écouter l'audio de votre signe ascendant, celui de votre signe lunaire ainsi que de votre signe solaire. Vous me recoupez toutes les informations et figurez-vous que vous aurez un audio personnalisé. C'est que du bonheur. Allez, sur ce, je vais vous dire que cet audio est divisé en trois parties. Exceptionnellement, je commence par le domaine sentimental. Nous allons voir ce que le domaine sentimental va vous donner pour ce mois de juillet. Deuxième partie, nous aurons les finances, voir un petit peu s'il y a quelque chose qui est bon à savoir pour vous. Et enfin, nous terminerons par le domaine général. Voilà, le temps de me connecter auprès de nos guides et de pouvoir répondre au domaine sentimental, je vous mets un petit intermède musical et je reviens de suite. À de suite. Voilà, la première chose que j'ai eue, c'est équilibre et stabilité. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être que les personnes qui sont au début d'une histoire ou qui sont au milieu d'une histoire, eh bien ça y est, nous avons l'équilibre et la stabilité qui rentrent dans votre vie de couple et on vous sent effectivement complètement dans ce changement et dans cette transformation. Alors on voit très bien que ça n'a pas été si simple que ça, il y a eu un travail qui a été fait, d'ailleurs mes guides vous en félicitent, puisqu'au départ, il y avait un gros décalage énergétique entre vous deux. Et aujourd'hui, on est vraiment sur cette stabilité, cette compréhension, cet échange, cette situation qui est plutôt très chouette à vivre. Donc, encore bravo. Pour d'autres, eh bien, nous sommes dans des doutes, dans des tracas, dans des remises en question. Je pense qu'il y en a certains qui pensent qu'ils sont trahis, qu'on vous trompe autant dans les mensonges. On sent beaucoup de déception pour ces personnes-là. C'est quelque chose que vous revivez, puisqu'on parle de schéma répétitif, un petit peu comme si vous revivez une même situation, et ce depuis ce printemps. Donc à mon avis, on me dit bien que là, on arrive à l'été, donc il y aura des choix et des décisions à prendre. Peut-être y a-t-il pour certains d'entre vous des enfants qui effectivement font que les choix sont plus difficiles à faire. Toutefois, des décisions seront prises. Alors pour les couples qui sont entre guillemets en couple, voire mariés, il y aura sûrement une décision de justice qui interviendra. Mais aujourd'hui, vous êtes hors de question d'accepter une minute de plus ce qui vous arrive actuellement. Pour les personnes, je dirais, célibataires ou autres, acceptez toutes les invitations. La période d'attente terminée pour ces personnes-là, vous allez faire enfin une jolie rencontre. Alors, on parle quand même d'union sacrée, d'union karmique, donc quelque chose de quand même très, très fort qui vient en vous sur cet été. Donc, ça peut être là, hein, puisque l'été a commencé le 21 juin et se finit grosso modo le 20 septembre. Donc, on est sur les 3 mois. Alors, évidemment, juillet, ouvrez les yeux, bien entendu, puisqu'on est en été, mais août également et septembre également. Je dirais que ça va même combler tous vos rêves et vos espoirs. C'est vraiment une personne, un peu comme si vous aviez fait une commande à l'univers et qu'elle vous envoie pile poil la commande. Donc ça, c'est possible. D'ailleurs, il se peut que ce soit une personne de caractère, une personne qui ne se laisse pas faire, ça tombe bien, ça vous ressemble aussi. On est quand même sur quelque chose d'assez passionné, on a les mêmes envies, les mêmes choses. Alors, il y aura des hauts et des bas parce qu'il y a un besoin de réglage entre vous deux, hein. Moi, je vois deux têtes brûlées, entre guillemets, qui n'ont pas envie de se laisser faire par l'autre. Alors, sûrement parce que tous les deux,
vous avez vécu peut-être de la manipulation, de l'emprise, et que vous avez peur aujourd'hui de cela, donc vous aurez une tendance effectivement à mettre des freins, des obstacles, etc. Il se peut également que vous ou l'autre personne ne soit pas complètement désengagé, hein, c'est tout à fait possible. Toutefois, moi, je réitère que c'est une nouvelle relation qui vient à vous. Alors, pourquoi ? Parce que ça a été vraiment un coup de cœur, un coup de foudre. C'est une personne qui est là, à votre soutien, même s'il y a des peurs, même s'il y a des doutes. On voit vraiment, ça me fait penser un petit peu à Dallas, ne rigolez pas, hein, mais c'est exactement ça. Il y a vraiment de la longueur dans cette relation. Pas de panique, elle finira par une base solide et constructive, hein, mais on voit qu'on passe par des hauts et des bas, des disputes, des désaccords, après ça revient, après on se remet, après on trouve des solutions, après on est... Ah ouais, ça va être vraiment folklorique, hein, je vois des dispenses, peut-être que chacun va partir en vacances, mais voilà, à l'automne, les choses changent, donc vous voyez comme quoi l'été est important. C'est fou ce que je vais dire, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe cet été, comme un coup de cœur, un coup foudroyant. C'est vraiment quelque chose d'inattendu qui va vous tomber sur le coin du museau, comme on dit. Quelque chose où vous auriez jamais pensé que dès cet automne, les choses avancent plus et que vous soyez vraiment dans une base constructive. Vous vous poserez des milliards de questions. Mais j'ai vraiment ce côté de faire les choses. Donc, dites-vous que c'est plutôt de bon augure au niveau amoureux. Et puis là, je vais m'adresser au couple qui souhaite un enfant. Ça me parle également de tomber enceinte, d'être vraiment dans un joli cocon d'amour partagé, de beaucoup de choses. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, amis Gémeaux, c'est quels que soient les moments où vous avez passé de difficultés, de dureté, vous avez ceux qui vont dire stop et vous avez ceux qui vont se créer une nouvelle vie. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que le meilleur est à venir, même si cela prend un petit peu de temps pour vous. Mais en tous les cas, je vois bien l'avenir qui se construit pour vous. Je vous mets un petit intermède musical. Alors, le temps de tousser, parce que je vois que j'ai la gorge qui racle. Le temps également de me concentrer sur le domaine financier. Je vous dis à de suite. Me revoilà. Eh bien, écoutez, domaine financier, moi, j'ai la signature d'un contrat. Ça veut dire que si effectivement vous êtes dans l'attente d'une réponse pour un crédit, pour un achat, pour ce que vous voulez, c'est un grand oui, puisque moi, je l'ai. Donc, c'est vrai que ça a été quelque chose de combattant, hein. Je vois qu'il a fallu redonner peut-être des papiers, peut-être que le premier contrat, ça ne fonctionnait pas, peut-être qu'il a fallu faire des démarches, mais moi, effectivement, je vois bien ce côté de signer. Je vois également des départs à l'étranger, donc ça veut dire que vous avez, si vous attendiez des sous pour pouvoir partir, ben moi, je vous dis oui, puisque je vois effectivement le départ à l'étranger. Donc ça, c'est plutôt sympa, ou simplement dans un autre département, une autre région, hein, bien entendu. Mais on voit qu'on réussit après une, je dirais, des négociations, le fait qu'il y a eu des choses qui se sont passées, que ça n'a pas fonctionné. On vous a filé un coup de main là-dedans. Hein. Je dirais que limite votre banquier ou si c'était l'achat d'une voiture, il s'est battu sur votre contrat, il vous a demandé d'autres choses pour vraiment arriver à obtenir satisfaction. Et je vous vois bien, malgré le fait que vous avez beaucoup doudé, d'avoir un joli message comme quoi vous allez obtenir satisfaction. Alors, ceci, c'est valable autant dans l'achat, dans la vente d'une maison, peut-être quelqu'un qui pensait ne pas avoir le crédit, mais qui fait tout pour l'avoir, vous voyez. Donc, on a vraiment cette sensation de réussite, mais pas sans peine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si vous alliez trouver des solutions, chercher à droite, chercher à gauche, devoir redonner des papiers, rechanger. Alors, ça a donné beaucoup de travail, mais au final, on a la signature. Et limite, c'est quand même le plus important dans l'histoire. Je mets un petit intermède musical, cette fois-ci, le temps de regarder ce qui vous réserve dans le domaine général. À de suite.
Me revoilà. Bien, écoutez, déjà, une très bonne chose. Moi, on me dit que vous êtes très, très bien protégé. Peu importe le domaine, vous êtes protégé. Et si vous attendiez un grand oui, eh bien, moi, je vais vous le donner. Il y a une validation. Il y a quelque chose de bon augure. Il y a une très, très bonne nouvelle qui vient à vous dans tous les domaines. J'ai bien dit dans tous les domaines. Alors, il y a des choses qui ont pris du temps, puisque j'ai vraiment le côté un petit peu prise de temps. Mais voilà, avec des discussions, des échanges, ça revient un petit peu comme dans le domaine financier, on est arrivé à, trouver une solution. Je pense même à une personne qui vous a filé un coup de main. Alors, bien sûr que ça peut effectivement parler également du travail. Si effectivement, dans le travail, vous attendiez quelque chose, eh bien, enfin, il y a une très, très bonne nouvelle. Pour moi, il y a quelque chose qui bouge. J'ai vraiment cette sensation de mouvement. Alors, peut-être, un changement de travail, un poste que vous souhaitiez. En tous les cas, j'ai même une évolution professionnelle. Donc, peut-être un poste, ouais, un poste. Peut-être avez-vous enfin obtenu gain de cause par rapport à une évolution. En tous les cas, c'est comme ça que je le sens. Pour d'autres, il y a une sensation de choix, peut-être entre deux jobs. Un job plus intéressant, l'autre non. J'ai aussi ce côté d'étranger qui me ressort beaucoup. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est un voyage ou pourquoi pas partir à l'étranger ou travailler à l'étranger, tout ça, ça me parle. On voit aussi qu'il y a eu quand même des démarches qui ont pris du temps. Hein. Il y a eu des moments, il y a eu vraiment ce côté de baisse de morale, on sent que vous n'avez pas pu faire ce que vous vouliez comme vous vouliez. Mais là, on sent que ça y est, on a repris, du poil de la bête. On sait qu'on va pouvoir le faire. Alors, ça prend plus de temps que prévu. Hein. Il y a des choses qui sont vraiment plus sur l'automne que sur cet été. Mais c'est vraiment le côté d'inattendu qui me ressort beaucoup. Hein. Enfin, quelque chose de coup de cœur. Donc, voilà. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce que vous vivez actuellement n'est qu'éphémère. Le meilleur est à venir. On filera d'ailleurs, encore une fois, je le redis, un coup de main d'ailleurs plutôt sympathique. Par contre, attention de ne pas trop parler de tout ça. Gardez les choses pour vous. Il y aura beaucoup de jalousie autour de vous. Donc, je vous invite à vraiment rester très silencieux. Je dirais que toutes les périodes, pas faciles par lesquelles vous êtes passés vont disparaître au profit de solutions. Et ça, c'est vraiment très, très sympathique. On voit vraiment une belle réussite, un beau succès, quel que soit, le domaine. C'est comme si on allait enfin avoir un résultat attendu, ce qui va vous permettre effectivement de pouvoir souffler et de plus être dans avoir une sorte, on dit, d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Les solutions sont trouvées et à la rentrée, ça y est, enfin, c'est fini. Ben voilà, je termine avec vous les Gémeaux, hein, donc allez, haut les cœurs, c'est les meilleurs. Je termine avec vous, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, au revoir.